Bonjour, Carole. Comment vous allez? Bonjour à Mougou. Bonjour, Gloria. Bonjour Frédéric. Vous connaissez que j'ai le même dialogue tous les jours. J'ai le même refrain. Et je vous parlerai toujours et toujours de votre vision et de vos rêves. Je peux dire, dans les 3 dernières semaines, j'ai été confrontée à des situations où j'ai dû guider des gens qui sont sous ma responsabilité. Et je me suis rendu compte que, sans le vouloir ou sans le savoir, je conseillais à cette personne là de faire ce que tout le monde leur demande de faire. Vous connaissez le cliché, non? Bon réveil, Karim. Bonjour Nafissa, bonjour Marie, bonjour Franck. Jules, bonjour. Supposons tu as ton enfant, tu dis à ton enfant tous les jours va à l'école. Va à l'école. Et tout ce que tu vois pour cet enfant, c'est seulement qu'il obtienne le bac. Et tu ne sais pas que toi-même, tu as fait le bac. Ton bac, là, est où? Tu as fait le bac, non? Sans le savoir, je me suis rendu compte que, en tant que parent, si vous ne faites pas attention, les gens que vous êtes en train de guider ou d'être mentor pour ces personnes, vous allez les pousser à commettre les mêmes erreurs que vous avez commises. Et je me suis rendu compte que si moi j'étais ma propre mère ou j'étais ma propre tata, qu'est-ce que je dirais à la personne? Et je me suis rendu compte qu'on ne nous donne pas assez, malheureusement on ne nous donne pas assez de, on n'a pas assez confiance en nous, on ne nous enseigne pas à avoir confiance en nos rêves, ce qui fait qu'on a très souvent... parce que ces personnes ont peur. Hein. La personne a peur que tu souffres. Okay, quand tu vois peut-être tes enfants, non. Quand tu penses peut-être au futur de ton enfant, tu ne veux pas que ton enfant galère 15 ans peut-être. Parce que ton enfant veut devenir chanteuse ou danseuse. Tu te dis non, si elle galère 15 ans avant que ça donne, non, bête, elle part, elle devient médecin. Bête, elle part, elle devient. Elle fait sa petite licence. Puisque nous, on ne nous a pas encouragé à suivre nos rêves, on n'encourage pas d'autres personnes à suivre leurs rêves. Et beaucoup d'entre nous, on pense que c'est déjà tard pour nos rêves. Malheureusement. Peut-être tu as 35 ans, tu as 40 ans, ta première fille a 15 ans. Tu te dis que c'est déjà fini pour toi. Sans le savoir, hein. Oui. Et... c'est juste des réflexions. Moi, je réfléchis beaucoup. Hein. Parfois, je suis le lit à 3 heures comme ça. Je me réveille de 3 heures à 4 heures. Je suis seulement là comme ça. Je regarde ma vie. Je me dis, si je meurs la semaine prochaine, les choses qu'elle fait actuellement, là, c'est pour plaire aux gens. Ce qu'elle fait actuellement, c'est pour qu'on m'accepte. Et j'ai toujours la question clé. Si je n'avais pas les gens que je voulais plaire, qu'est-ce que je ferais? Que serais-je en train de faire maintenant? Oui. Oui, ils vont commencer à payer les choses, oui.
Il faut que tu vois là où ils mettent les choses. Parce que quand on va arriver là-bas, c'est toi qui dois montrer. Je me suis rendu compte que je peux vivre. Et vous savez, l'argent ne se trouve pas dans ce qu'on fait comme tout le monde. Votre Victor Kadi, si on avait encore l'opportunité de parler à ces hommes-là, c'est vrai que les gens vont voir 50 ans plus tard, quand leurs choses on les a données. On va dire, ah, sûr que de quand il avait 15 ans, il voulait commencer, les gens aimaient. Quand il avait 25 ans, il voulait commencer, on aimait. Non. Au départ, il a passé au moins 10, 15, 20 ans. Personne ne comprenait là où il partait. Personne. Et... Bonjour, bonjour. C'est vrai que je vous montre les lavages. Je vous montre. Parce que quand tu nais, hein, ton étoile là, il y en a parmi vous, vous êtes censé être des ministres. Vous êtes censé être des grandes chanteuses. Vous êtes censé avoir déjà même 40 livres que vous avez écrits. Vous êtes censé vous carrément aller de pays en pays. Tu sais que tu n'es pas censé être. Et depuis même des années, même seulement ton passeport est dû à faire. Ouais. Quand on cherche à soigner les gens, on apprend même à parler là, le français, non. Maintenant, quand tu nais, il y a les jaloux. Vous savez, la jalousie, ça peut aller dans n'importe qui. Tu peux envoyer ton enfant. Tu es en bain, tu es bloqué. Tu prends ton enfant, tu l'envoies chez ta soeur de sang. L'enfant arrive chez ta soeur voit. Chaque personne qui vient chez ta soeur fait seulement, waouh, ta nièce, elle est belle. Ta nièce, là, waouh, regarde, waouh. Quand ta nièce arrive à la fête comme ça, là, elle danse un peu comme ça, c'est seulement elle qu'on farote. Ta soeur voit, ça commence à l'énerver. Je vous dis que la jalousie, c'est quelque chose que ça ne connaît pas la personne. Elle commence maintenant à insulter. Quand on apprécie un peu ta fille comme ça là, elle est mouffée là-bas. Elle pisse au lit. Hein. On dit qu'elle est belle comme ça, là, elle pisse au lit. Elle a aussi de moyenne. Seulement avec ses paroles, ta soeur commence à descendre ton enfant. Et beaucoup d'entre vous, je sais que c'est ça que vous avez subi dans l'enfance. Vos parents vous ont laissé chez des gens, oncle, tante, vous avez marché de maison en maison. Vous avez, bonjour Ira, comment tu vas? Vous avez connu beaucoup de mauvaises choses dans les maisons là, beaucoup. C'est une mauvaise chose que tu ne peux même pas dire à ta mère. Un jour, ta tante rentre comme ça, elle est de mauvaise humeur, elle t'insulte. Tu restes comme ça là, tu sens comment ces injures entrent. La sorcellerie, c'est pas seulement parti chez le marabout. Hein. Elle a dû s'assurer qu'elle casse tes rêves, qu'elle te tue la vision. Elle parle comme ça là de 11 ans à 13 ans quand l'enfant reste chez elle. Après, tu as une bonne situation, tu reprends ton enfant. Tu vois, l'enfant est toujours frustré, bizarre. Tu ne comprends pas. Elle connaît peut-être qu'il faut aller lancer la poule pour tous les petits-fils pour que leur vie donne. Elle ne t'appelle pas pour te dire. Elle ne te dit pas. Elle part, elle lance la poule de ses enfants. Toi, tu restes. Tu vois, ton enfant est bizarre. L'enfant ne fait qu'échouer. Tu ne comprends pas. Parce qu'il y a la sorcellerie par omission. Pas seulement par acte. Il y a même le manque d'acte. Bonjour Tatiana, bonjour Nathalie. Sylviane, bonjour.
Je ne vous parle pas alors des mamans. J'ai beaucoup de jeunes filles que je reçois ces derniers temps. 28, 26, 30 ans. Ta mère même, ta propre maman Ticone. Avant, quand tu étais petite, tu avais 5, 7 ans. Elle t'a amené au travail sur toi. Merci pour les bénédictions, la reine Nathalie. Un beau jour, ta mère dit que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Je ne veux plus entendre parler de travail, de lancer la poule du village. J'ai connu beaucoup de fils. Même hier, j'ai reçu une fille comme ça, ici à Douala. J'ai dit que mamie, s'il faut aller même chercher où travailler sur toi, ta mère peut faire. Tu as qui? Elle dit non, ma mère ne veut plus entendre parler de ça. Tu dis que tu abandonnes l'enfant comme ça, que l'enfant va faire comment? Tu vois là, j'ai une petite fille comme ça, là, elle est là, 23, 24 ans. Elle se bat de son... Elle fait son lavage au sel, lavage urine. Elle voit aussi, ok, elle donne un pot aux orphelins. Elle essaye. Les trucs qu'il y a fait au village, on lui montre. Écoutez, hein, j'ai déjà une fille là, j'ai déjà une jeune fille qui est venue hier, que, ma chérie. On t'a amené sur mon village quand tu étais petite, non? Prends la voiture, tu pars dans ton village, tu connais votre maison, non? Arrive dans ton quartier, tu te balades dans deux, trois maisons. Tu demandes que quel est le lieu sacré de notre coin, de notre village. Quel est le lieu sacré de notre concession? Que voilà, je suis la petite fille du grand-père qui était ici. Voilà la tombe de mon grand-père. Oui. Dans votre village, il y aura quelqu'un qui va vous guider. Et je vous assure, beaucoup d'entre vous, les jeunes filles, là, vous êtes bloquées parce que quelqu'un n'a pas fait l'effort de partir, lancer même une petite poule pour tout au village. Allez me prendre un peu la terre de ton village comme ça là. Te donner que lave-toi avec. Elvie, tu dis que le bain d'urine avec le sel sang de Jésus, ça t'a terrassé. C'est toi qui es venu hier. Si ça t'a envoyé à l'hôpital et... Si ça a trouvé les démons dans ton corps, tu veux quoi? Parfois vous marchez comme ça, vous êtes bloqué, vous ne savez pas. Tu marches comme ça, tu ne sais pas que tu as les démons dans ton corps qui te bloquent. Un homme te voit comme ça, il dit ma chérie, je vais t'aider. Prends mon numéro. Tu l'appelles le soir, il ne décroche plus. Que quand il t'a vu, ton étoile là, il a dit qu'il veut t'aider. Il a dit qu'il sent que non, je dois aider l'enfant-ci. Il parle, sa voiture se gâte. Après toi, là, 30 minutes après, sa voiture se gâte. Il a même 4 problèmes en une nuit. Quand tu l'appelles dans les soucis, il ne veut même pas t'entendre. Vous ne connaissez pas les malchances que vous portez sur vous là. Venez tout là, mes directs, vous amusez seulement. Venez me guetter seulement, vous voyez mon joli visage. Souvent, tu es là comme ça, quelqu'un peut avoir une connaissance en France qui cherche une fille qui peut venir faire la nounou pour ses enfants. Chaque fois qu'il te voit, l'esprit lui dit que dis à la fille sinon. Mais tes démons bloquent. Toi, la fille là, toi. Parce que quelqu'un ne s'est pas levé au moins sur toi, dit que ok, ouais. Amenez même l'enfant au village, on prend même l'eau qui passe dans notre concession là-bas, on la lave avec nous. On prend même sa poule, on lance, non. Que ces choses marchent aussi, non. Même si elle a même seulement 3 000, on achète le sel, on partage aux gens au village. Un sac de sel, c'est 3 000 ou 3 500. Même seulement le sel. Comme ça, quand les gens mettent, ils assaisonnent leur nourriture avec comme ça, là, on pense à ton nom. Ok, comme tu allais faire, que tes portes continuent de s'ouvrir, Nathalie. Si personne n'a fait sur toi, hein. Lève-toi, tu n'as pas fait toi-même. Arrête d'accuser ta mère. Tu vois ta mère là, regarde la vie de ta mère. Tu vois si ta mère connaissait ce qu'elle est là où elle est. Elle est là. Les mères qui se retrouvent, elle devient la femme du pasteur ou elle devient la bonne du pasteur, je ne sais même pas. Dès que tu viens, non, pardon, je ne veux pas entendre ça, je ne veux pas entendre. Elle a 3 filles, tous les 3 filles sont en train de souffrir. Tous les
trois filles de ta mère souffrent, elles ne voient pas. Le bain d'urine parfois vient mettre des problèmes dans ta vie. Et si tu abandonnes, tu vas lire. Ça vient détecter les mauvais gens qu'il y avait dans ta vie là. Ça les expose. Je sais que certains d'entre vous, vous ne comprenez pas comment est-ce qu'un bain. Jésus s'est lavé avec la poule avant que ses portes se soient ouvertes pour qu'il commence au ministère. Si ce n'était pas nécessaire, pourquoi on a dû plonger Jésus dans l'eau? Pourquoi? Il y a les rites qu'on fait avec le pigeon, pas la poule, le pigeon. Il y a d'autres qu'on fait avec le pigeon blanc. Et je vous dis encore, les jeunes femmes qui m'écoutent là, si votre mère, elle peut être morte, elle peut être devenue une chrétienne fervente qui est devenue endormie. Laisse ta mère. Appelle ton oncle, même un oncle qui peut t'indiquer le village. Il va dire que prends la voiture, tu sors au carrefour de Bangwa. Tu dis que tu montes, tu pars dans la concession de temps quoi. On va t'indiquer. Tu arrives là-bas. Il y a les tombes de tes grands-parents, non? C'est là. C'est parce que vous associez à un certain niveau où vous dormez. Prendre la voiture pour aller à l'Ouest, c'est 4 500 ou 5 000. Parfois, je n'ai pas d'argent, rien par argent. Tu as le téléphone de 300 000 en main. On voit tes ongles, tu fais tes ongles chaque mois, 20 000. Moi, je ne sais pas moi ce que je peux vous dire. Tu es là aussi comme ça. La majorité des gens que tu vois leur vie avance. Les gens là savent se lever pour aller faire leurs choses. Parce que pour les hommes paresseux, généralement, c'est, quand tu vois un homme, c'est chaud, marche. C'est que sa mère derrière lui est fait. Sa mère. Et vous les hommes là, quand vos mères meurent, vous comment, oh ma vie est finie, ma mère est morte. Oh ma vie, ma mère était mon tout. Ma mère était mon tout. Quand ta mère fait souvent, vois comment elle fait. Parce que je me suis rendu compte que beaucoup d'hommes aussi sont tellement simpletons. Je ne sais pas pourquoi. Tu le vois, il devait déjà être un grand businessman. Il devait déjà avoir l'argent. Il devait déjà... À son niveau, il est là. J'ai vu un jeune homme l'autre jour. Je l'ai consulté. Gaïo, dès que tu le vois en vidéo comme ça, là, maman. Maman. La maladie sur lui. Dès que tu le vois, tu dis que Niembe, appelle quelqu'un de ton village, va te montrer. Comment on fait pour lancer la poule? Ne te renseigne pas, il faut tout m'attendre qu'elle vienne te dire. Vous voulez être l'incrougnant. Allez faire l'incrougnant, c'est là ailleurs, pardon. Attendez toujours qu'elle vienne vous dire. Attendez, ne cherchez rien. Hein. Attendez mes vidéos. Attendez-moi. C'est tellement paresseux. Je parle de tout, vous êtes là paresseux comme ça là. Quand le jeune homme m'a envoyé sa photo, il y a de cela 1 an et demi, 2 ans. Mamma mia. La beauté de ça. Le charisme dans l'enfant. Il a 30 ans. Il dit, Wanda, on t'a travaillé. Il dit, ça fait 1 an et demi, ça fait 2 ans, on a tué sa mère.
toute vraiment la matière comme ça, la beauté. Une mère brune comme ça, potelée. Belle. Belle. Elle meurt, il passe à soi dans sa maison qu'elle aime, elle a construit et qu'elle vivait dedans. Il dit que les gens qui ont tué ta mère vont te tuer. Tu es bête. Et c'est une chose que vos parents avaient. Que quand ils partent là, laissez pardon. Écoutez, ta mère construit sa maison. Elle s'est débrouillée à envoyer ses autres enfants en bain. Toi, tu es resté ici là à côté d'elle. Et tous les enfants de la matière là sont mignons et beaux. Parle un peu. Tu vois les enfants, tu vois seulement sa peau comme ça, c'est comme s'il vivait quand même. Tu portes tes pieds, tu peux vivre dans la maison là. Pas fini avec toi. Il dit que mes pieds ont gonflé, je ne marche plus. Oh, je pars à l'hôpital, on ne voit pas. Je dis que tu crois qu'on va voir quoi? C'est ma mère qui était mon tout, c'est ma mère qui faisait tout. Je vous en prie, ne faites pas le genre que si un jour votre mère meurt, dans sa tombe, elle va encore dire que donc tout ce qu'elle fait pour l'enfance, il ne connaît même pas cette débrouille aussi. Merci, Maïmouna. Ne faites pas que les efforts de votre mère soient en vain. Et vous devez arriver à une autre étape où ce n'est pas tout le monde qui va savoir ce que vous faites. Quand vous taguez les gens sur ma page là, je vous avais déjà dit longtemps que créer de faux profils pour me suivre. Parce qu'il y a des choses que j'ai dit. Que quand quelqu'un qui t'a bloqué va venir sur ma page, beaucoup me suivent. Hein? Ils n'ont pas liké ma page, mais ils suivent quand ils font les directs, ils peuvent voir. Mais ils n'ont pas liké. Donc, par exemple, que si tu likes la page, quand tu atterris sur ma page, tu vas voir que okay, tel de mes amis aime aussi la page. C'est. Les gens sont très malins. Ok. Maintenant, quand ils viennent, ils voient le direct là, ils regardent que Nathalie a aussi recommandé, Marlène a commenté. Ok. Avait dit que Marlène connaît qu'il faut lancer la poule au village. Marlène connaît qu'il faut faire telle chose. Bonjour, la reine et Olga. Certaines choses, ils ne doivent même pas savoir que tu sais. Quand tu arrives devant eux, tu fais comme si tu es bête, comme si tu es idiot. J'ai des travaux que j'ai fait pour certaines personnes, que quand ils arrivent au pays, ils disent que non, même ma famille ne connaît pas que je suis arrivé. Ils arrivent un pian, il faut avoir tout ce qu'il a fait. Après, il dit maintenant, il a créé sa famille. Ok, j'arrive demain. Oh, bonjour. Hey, ha, comment ça va? On t'amène quelque part. Que viens, on va manger. Quelque chose te dit que je ne parle pas. Quelqu'un prépare, il vient avec. Quelque chose te dit que ne mange pas. Tata, je vais venir dormir chez toi. Tu vois, je vais faire tout ça. Je vais t'accompagner pour tes courses. Tu dis non, je ne peux pas, je ne peux pas. Bonjour le roi Martial. J'ai parlé avec une femme l'autre jour. Elle me disait que son mari est décédé. Elle m'a raconté les circonstances de la mort de son mari. J'ai dit, ton mari, vous-même là, vous étiez bête. Son père meurt. J'étais au Gabon. C'est la même Gabonaise qui m'a raconté l'histoire de son mari. Le père du monsieur meurt. Elle est là au pays. Lui, il est en Europe. Un grand médecin. Beaucoup d'argent, nanana. Ils sont mariés, ils ont un enfant. Mais elle vit en Afrique avec l'enfant. Lui, il est en Europe, il travaille. Le père meurt. La famille de la fille connaissait, lui avait dit que vraiment, ta belle famille là, est-ce que vous avez le marié? Ils s'entendent que tu ne viens pas, non. Il dit oui, bébé. Il parlait. Le lendemain à 7h, sa belle-sœur l'appelle. Oui, j'ai parlé avec lui, il arrive. Il m'a dit qu'il va atterrir à mardi à 16h. J'ai dit, mais j'ai parlé avec lui hier, non? Non, 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 il va venir, il va venir.
Elle appelle son mari que c'est comment encore? Tu vois que tu ne venais pas, non? Non, tu sais, moi, il ne peut pas abandonner la famille. Je suis le seul garçon. Il porte ses pieds, il vient, non? Je crois qu'elle a fait une semaine ou 10 jours. Il finit le deuil. Tu sais, quand tu avais ta mère, tu avais tes soeurs, nanana. Après, il finit. Quand elle a été de repartir. Bye bye, mon chéri, ma chérie, bye. Il arrive. Quelqu'un qui est dans le corps médical. 3 jours après, on commence à dire qu'il a la tumeur de quoi? C'est quelle maladie qui a tué le monsieur là? Un cancer de quelque chose en tout cas. 3 semaines plus tard, le monsieur était mort. Hein. 3 weeks. Quand le cancer en phase terminale. Oh, on a sorti le kung fu de l'acteur ou du chef bandit sur lui. C'est seulement ses habits qui sont revenus au pays et son cercueil scellé. Elle dit que j'ai pas compris comment mon mari est mort. Et une jeune femme, tu la vois, elle n'a pas 35 ans. Attends, on a fini avec le père, on a fini avec le fils. Toi, tu crois que tu es trop con, tu es trop forte, hein? Après, la belle famille a encore appelé qu'il faut venir pour que faire tel rite. Elle a dit que, excusez-moi, elle n'a jamais passé. Jamais. Le nombre de lavages qu'il a fallu que ça. Parce qu'elle est arrivée, elle me dit que même sa famille, elle a commencé à faire tellement de lavages sur elle. Que si on ne faisait même pas ce qu'elle ne savait pas si elle est là devant moi. Les gens n'ont plus peur. Hein. Même leur propre famille. Même leurs propres gens. Je ne crois pas que tu es Jack Bauer. Là, il faut écrire sur WhatsApp. Quand elle parle de mon bain d'urine, certains gens m'insultent. Oh, oh, oh. Ceux qui vont faire vont confirmer. Souvent, certaines personnes partent faire des choses. Souvent, ils me demandent que la personne fait comment quand il arrive sur le marabout. Il dit que quoi? J'ai souvent des gens qui sont venus me tenter. Que non, je veux bloquer la personne si. Je vais attaquer que oh, tu t'es trompé d'endroit. Je détache les gens, je montre comment les gens vont se libérer. Mais pardon. Un jour, quelqu'un me contacte. Oh, moi, je veux que ma bailleresse qu'elle lise l'heure. Je veux qu'elle voie le feu. Hein? Elle a fermé mes affaires dans sa maison. Et ça m'a ri. Et que le gars qui sent l'énergie du gars, c'est là. Toi-même, tu lui as fait quoi? Toi-même, tu lui as fait quoi? Parce qu'il n'y a qu'un mauvais cœur pour aller vouloir du mal de quelqu'un. Et le mauvais cœur de quelqu'un n'apparaît pas seulement comme le bouton sur toi. C'est depuis longtemps. Toi, tu as jumbum la méchanceté depuis longtemps. Tu es méchant depuis longtemps. Mais la justice de Dieu, c'est... Oh, Seigneur. La justice de Dieu. Tout le monde écrit seulement qu'un jour. Un jour. Écrit qu'un jour. La justice de Dieu fait qu'un jour. Un jour. La fille que tu avais bloquée, elle a tombé sur ma vidéo. Un jour. Il y a toujours un jour de Dieu. Il y a toujours un jour. Le un jour là que... Donc, tout ce que tu as subi depuis 25 ans là. Quand tu avais 22, 23 ans, tes choses marchaient. Un homme est venu, même il t'a doté. Il est parti. Dès qu'il est parti, on s'est mort la semaine qui a suivi. Depuis qu'il est mort là jusqu'aujourd'hui, tu as 45 ans. Ta vie, tu ne vois pas le... Tu vois pas clair. Il y a toujours un jour. Pour les gens qui s'assiedent sur la destinée des autres là, ça, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Il y a toujours le un jour de Dieu. Tous les bénédictions de la personne que tu avais compris, que tu as pris pendant 20 ans là. Tu vois quelqu'un en 6 mois, sa vie change jusqu'à tu dis que... Eh.
Il y a une fille qui est venue me voir l'autre jour au Gabon. Elle me dit, fervente chrétienne, je pars tous les messes du matin à l'église catholique. Il dit, oui, ok, continue, d'accord. Elle me dit, je suis tombée sur vos vidéos, vous parlez du bain de sel. J'ai commencé à faire. Après le bain d'urine, j'ai commencé à faire. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé, ma chérie? Le jour où elle a fait le bain d'urine, le premier jour, elle vous a dans la journée, elle dit, il faut que je demande l'argent à telle personne. Elle écrit à 5 personnes, elle demande 5 000. Quelques heures plus tard, on lui a envoyé 25 000, donc 5 000. Toutes les personnes lui ont envoyé l'argent. Elle dit que, mais, en fait, là, c'est pas la blague. Elle dit à sa copine que fait. Sa copine fait aussi. Le jour où elle commence à part, il y a un boutiquier dans son quartier qui ne lui donnait jamais l'argent, je ne sais pas trop quoi. Elle arrive là-bas le jour-là. Elle lui dit, donne-moi mon argent que tu me donnes depuis là. Il porte son argent, qu'est-ce qu'il lui donne? Elle était choquée. Elle écrit à sa copine, elle dit, que mince, la fait là. Elle a continué son bain, continué. Il y a quelqu'un, une de ses connaissances, tu vois, là où tu es là, une fille comme ça te dit que j'ai une tata en France qui cherche une ménagère, on fait tous tes papiers, tu pars, tout ça là. Elle me dit que, comme, que dans quelques jours là, elle devait passer à l'ambassade. Alors qu'elle était là-bas au Gabon depuis. Il y a des gens au Gabon qui galèrent. Hein. Tu vas voir quelqu'un, il va te dire que je suis ici depuis 8 ans. Je suis là depuis 13 ans. Tu as alors fait quoi? Oui, je venais ici parce que je venais pour continuer à partir. Il est bloqué. Bloqué. Quand ta vie se débloque, j'ai une que j'ai fait comme ça, j'ai travaillé sur elle. En l'espace de 3 mois, elle a eu 3 propositions pour partir à l'étranger. 3. J'ai quelle raison? C'est que je reste dans ma cousine qui est aux États-Unis m'envoie l'argent, qui va faire ton passeport. J'ai fini de faire le passeport. Mon autre cousin qui est dans tel pays me dit que viens. Mon frère qui est dans tel pays me dit que viens pour mon mariage. D'autres personnes me disent que. Et puis je gagne moi-même la loterie américaine. Waouh! Elle est en quarantaine. Jamais, elle n'a jamais le visa pour aller quelque part. Mais les blocages qu'elle avait. Les enfants de Dieu ne sont pas censés être ridiculisés tout le temps. C'est un truc que moi je sais. C'est que 2023, ce qui vient. Ça fait 6 mois que tu fais ton travail. 6 mois, 7 mois. Ma chérie, tu es en train de creuser la fosse. Tu creuses, tu déterres. Tu creuses, tu déterres. Tu creuses, tu ne sais pas. Pourquoi tu fais, tu te dis que wow, je perds seulement mon argent. Tu creuses, tu déterres. Tu creuses. Tu les jeûnes. Depuis 6 mois, tu as fait combien de jeûnes? Est-ce que vous savez même que jeûner, c'est la grâce de Dieu? Il y a les périodes où tu restes comme ça. Tu n'as pas l'envie de chercher Dieu. Tu n'as pas l'envie de demander même que Dieu fasse quelque chose dans ta vie. Rien. Tu es là. Regarde-toi depuis le mois de septembre. Tu as jeûné combien de fois déjà? Le jeûne sec que tu n'avais jamais fait. Dieu t'a donné la grâce. En 3 mois, tu as fait le jeûne sec 2 fois. Donc tu crois que Dieu a fermé ses oreilles à tes prières? Parce que l'ennemi va parfois venir quand tu es presque arrivé. Mais comme tu as fait, tu n'as rien vu, non. Ne fais plus. Tu as compris, ma chérie? Ok? D'accord. Ne fais plus. Tu as compris? Voilà. Ok, Mégé? D'accord. Voilà. Tu vois que quand il te dit, je me suis lavé, un jour je me suis lavé avec le sel. Oui, ça fait 4 mois. J'ai dit que vraiment, tu ne connais pas. Tu ne connais pas. J'ai fait le bain d'urine. Oui, en juillet, j'avais fait le bain d'urine. Oui. J'ai dit, oh, ma chérie. Ma fille. Tu as 50 blocages sur toi. Tu penses que c'est un bain de pipi qui va venir t'aider.
une fois. Ok. On avait bloqué ton père, on avait bloqué ton grand-père, on avait bloqué ta grand-mère, on a bloqué ta mère, on a bloqué ton père. Donc toi, tu as 4 blocages, toi ou 5 blocages. Tata Chou, il faut laisser se décourager, non? Ouais. Moi, vous savez que moi, je vous supplie sur ma page. Je ne supplie pas moi quelqu'un. Tu ne veux pas faire, tu laisses. D'accord, oui. C'est le travail, oh. Se délivrer, là, c'est le travail. Fan, tu vas travailler. Tu te lèves à 3 heures, tu fais des prières, tu prends le... Tu te laves, tu parles... Oh, que tous mes détracteurs qui étaient derrière moi, que si on m'enterrait n'importe où, qu'on me déterre. Wow, oh, wow. Oh. Toi, que quelqu'un fait ça, toi, tu viens, tu te lèves à 7 heures, tu fais un petit bain là. Tu attends dans la journée là, que je vais voir. Je vais voir. Rien ne se passe, déjà, c'est tout là, ne marche pas. C'est pour ça que je vous dis souvent que de liker ma page, de la, quitter sur ma page, partez. Certains vont penser que je suis... C'est pour ça que quand vous venez de connaître ma page, je vous dis toujours, ne cherchez pas à me contacter à l'instant. Imprégnez-vous de ce que je dis. Imprégnez-vous de ce comment je pense. Voyez comment je parle. Écoutez-moi. C'est pas tous les jours que je vais essayer de vendre mes produits. Je peux dire que dans 80% de mes vidéos, je ne parle pas des produits que je vends. Je vous conseille toujours. Donc si tu crois que tu vas en venir, il y a des gens que c'est pas parce que tu as payé la consultation que tu vas me parler. Paye la consultation. Ne fais pas ton travail spirituel. On ne va jamais se parler. Jamais. Parce que vous avez l'habitude que c'est toujours une autre personne qui va faire pour vous. Ça, c'est la paresse spirituelle. Il y a une dame qui est arrivée une fois, elle me dit, il y a un monsieur qui lui disait que c'est lui qui va jeûner pour elle. C'est lui qui va faire tout. Donc, elle, elle ne doit rien faire. Tombe sur mes vidéos. Elle dit, attends. Non, tu peux aussi faire ça. Elle commence à jeûner. Elle dit que maman, en 20 ans que je connais, que cet homme-là, il me disait de ne pas jeûner. Il me disait que c'est lui qui va tout faire pour moi. Que même c'est lui qui va communiquer avec mes ancêtres. C'est lui qui donc. Quand il se lève comme ça, il manque un peu d'argent. Il a besoin même d'un 5 millions comme ça. Il écrit à la famille, il lui fait peur. Oui. Qu'un de tes ancêtres m'a dit qu'il va te tuer. Va te foudroyer. Envoie-moi 5 millions. Je dois parler avec lui pour le calmer. Là, voilà qui panique, elle envoie l'argent. Tu dis que tu me suis depuis 2 ans, c'est maintenant que tu n'as pas ça. Ouais. Quand quelqu'un me dit qu'il me suit déjà depuis 2 ans, même là, je dis que pardon. Oui, j'ai bien voyagé, Adeline. Il y a beaucoup de patience. Ça fait 5 ans que j'ai ouvert cette page. Les gens ne comprennent pas.
Et pas trop bavarder aujourd'hui parce que j'ai beaucoup à faire. On fait ton bain d'urine, tu dois mettre du sel dedans. Et on se lave avec le sel qu'on a, c'est monstrueux. Partagez la vidéo et vous likez. Continuez de poursuivre vos rêves. Et puis, si vous voulez pas poursuivre vos rêves, abandonnez. Hein? Oh my God. Je vois souvent quelqu'un qui fait genre, ouais, moi, il va abandonner. J'ai dit, non, abandonne, ma chérie. Livy, tu as compris? Abandonne. Ok, voilà. Tu as laissé tomber, non? Tu es content maintenant? Tu as compris que si tu ne te lèves pas pour toi, personne ne va se lever pour toi. Personne ne viendra travailler pour toi. Personne ne viendra te soulever. Personne. Quand tu vas comprendre ça, tu es libéré. Tu as fait tes choses une place. Tu ne mets pas quelqu'un dedans. Que tu pars ou non, je pars, j'ai mon truc à faire dans telle ville. Tu prends ton bus, tu pars, tu finis, tu rentres. Ça ouvre tes portes. Donc Spencer dit, tu viens nous commencer à me suivre, tu vas aller les résultats. Ok. Ça me fait plaisir que tu puisses avoir tes résultats déjà. Vous savez, honnêtement, j'aime travailler avec les gens qui veulent travailler. Je sais pas, j'ai horreur des paresseux. Ça me... Quand quelqu'un est paresseux, pour moi, c'est comme si tu occupes la terre pour rien. C'est comme si on a dépensé de l'air. C'est comme si le cœur qui bat dans ton corps, là. Je sais pas. Oui. Parce que quand tu commences à travailler, généralement, quand des gens... Quand j'ai des personnes qui... Généralement, les gens qui font bien le travail, Allemagne, Suisse, deux pays-là, et aussi certains États des États-Unis. Les personnes qui ont déjà, sans le travail spirituel, ces personnes ont déjà une éthique de travail. Ils ont déjà des trucs que non. Est-ce que non, je me lève, je bosse, je cherche mon argent, je bosse. Maintenant, quand elle tombe sur ce que j'enseigne, elle ajoute au travail qu'elle fait déjà, à son éthique de travail et de ne pas abandonner. Pour moi, là, il y a un monsieur qui est arrivé de l'étranger l'autre jour. L'homme l'a marché dans mon bureau même 7 fois. Il l'appelle, je l'ai même bloqué sur WhatsApp. Il arrive au Cameroun, il cherche l'endroit, il vient sur place. Il dit qu'il veut la voir. Je lui dis que je ne veux pas te voir. C'est la 7e fois. Je crois que hier c'est la 7e fois qu'il venait. Il me dit que même si tu m'abandonnes, je ne sais pas moi à qui je vais partir maintenant. Donc voilà, depuis que tu es connu, en 6 mois, voilà comment mes choses ont avancé. Je sais que tu vas encore m'aider. Parce que vous êtes. On a encore seulement te supplier que viens, fais. Quelqu'un te dit que je me lève chaque matin, je me lave avec mon pipi. Je me lève chaque matin, je fais mes déclarations. Donc, passez conscient que ce n'est pas pour moi qui fait. Ce n'est pas pour moi. I don't care. Vous êtes encore à cette étape-là où ta mère doit te supplier. Va brosser tes dents. Viens manger. Ne mange pas. Avec mes enfants, la maison, ils blaguent pas. Je mets la nourriture, tu veux, tu manges. Ne mange pas, papa. C'est ton ventre, c'est ma part. Hop. Maigris, non. Tu maigris, ça fait quoi? Non, ne fais pas le bain de zinou aux enfants. Faites avec le sel seulement. De rien, Claude Carole. Donc, tu m'as contacté. Tu as fait le... Ok. Ceux qui font bien leur travail spirituel avant d'arriver à moi, ça se ressent. Parce que quand je rentre dans la bataille de ta vie,
avec toi. Il faut que toi-même aussi, tu sois un battant. On se bat ensemble. Mais si tu es le genre que tu attends vraiment qu'elle fasse tout pour toi, ce sera difficile. Ce sera compliqué. Tu veux qu'elle vienne le matin te laver au sèche chez toi. Tu viens le matin, écris ce que tu veux. Je suis arrivée hier, une dame est venue laisser sa dîme. Elle a frappé ses vœux sur deux. Donc, elle a pris l'intercalaire. Elle a pris un format, elle a accepté de frapper. Tac, 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 tac. Pas écrit à la main, frapper. C'était dans les moindres détails que pour tel aspect de ma vie, je veux ça. J'ai regardé comme ça. J'avais filmé, vous savez, posté cela. Elle dit que ça, c'est. This is how you do it. Dès que vous êtes là, vous ne travaillez pas pour quelqu'un, c'est tout le monde qui ne travaille pas. Il y a les gens qui travaillent pour leur vie. La personne dit que voilà, j'apporte à la maison du Seigneur ma dîme. Seigneur, pour cette dîme, tu as dit dans Malachie, tu as dit ceci, ceci, cela. Elle écrit jusqu'à. Et quand le comptable m'apporte les offrandes des gens, j'ouvre pour la dame, je regarde. Je l'appelle, j'ouvre devant lui. Je lui montre. Il dit que c'est comme ça qu'on fait. Il dit, madame, c'est pourquoi? Je lui dis que si tu vois quelqu'un qui a pris le temps, qui a frappé quelque chose comme ça, tu vois une autre personne qui dit, Seigneur, bénis-moi. Moi, il m'a dit, bénis-moi. Toi-même, si tu es Dieu. Et que tu envoies deux anges. Un ange, tu dis, va écouter, on va prendre des noms, Audrey. À l'autre ange, tu dis, va écouter Yolande. Audrey dit, ange, bénis-moi. Yolande dit, je veux la voiture de 15 millions. Je veux le terrain qui est là-bas, je veux qu'on libère ça. Les locataires qui sont dans l'immeuble là, qui ne veulent pas partir. Je dis qu'ils vont partir d'ici le 15 décembre 2022. Donc, tu vas Audrey a sorti la liste. Que si l'ange va exaucer qui il va exaucer les deux hein. Mais l'autre qui a dit que bénis moi l'ange va te bénir comment mamie bénissons au hasard tu dis que j'ai la beauté des femmes capricieuses oh ne te dérange même pas ouh moi je suis capricieuse même avec les clients tu arrives tu fais un genre et tu fais aussi un genre. Tu arrives, tu es humble, tu sais ce que tu veux. Il n'y a pas de problème. On va travailler ensemble. N'oubliez pas que quand vous venez, pour que je vous aide, vous portez vos démons, votre argent que vous venez me donner là, ça porte ces choses. Hein. Tu viens me donner. Tu crois que c'est pour tes 30 ou tes 50 000 que tu donnes là. Je vais porter tes démons de 50 000. Jusqu'à toi-même, tu n'as pas la volonté sur ça. Vous devez comprendre. Et quand tu fais le bain, tes choses commencent à marcher. Ne crois pas que ça va marcher seul encore après. C'est quelque chose que tu dois toujours faire. Après, tu fais encore. Après, tu fais. Après, tu fais encore. Après, tu fais. Tu commences après un mois. Ok, tout va bien déjà, non? Ok, laissons, non? Non, bon entendeur, salut. C'est une bonne journée. Douala me plaît. Eh, hey, Douala. Douala. Regardez-moi, Douala. Regardez. Regardez. 6h30, les gens sont dehors. Il y a certains pays que je ne nommerai pas. À 9h, les gens sont encore chez eux. Dans le lit. On sort pour acheter le pain, on revient encore, on se couche, on dort. Douala, c'est comme Paris. Hein. Il y a l'action. Il y a l'action à Douala, c'est comme Paris.
Bon, passez une bonne journée.